protocole. Bonjour, Alain Carayon. D'accord. Alors, on se tasse un peu là. Hein, bonjour messieurs. On va tout par là parce que sinon c'est le bazar. Hein. Alors on va un peu par là, oui. Alors on va par là. Hein. Nous allons donc inaugurer la résidence Michel Grandpierre. Alors que tout le monde, ça soit bien clair pour tout le monde. Hein. On respecte le timing. Hein, parce que vous comprenez, on a tout un des fonctions officielles, on a les petits fours qui sont en train complètement de dégouliner, là ils m'ont dit vas-y active. Le champagne, alors là, je ne dis pas, ça commence à monter en pression dans les bouteilles. Donc faut pas qu'on traîne. Alors tous les quatre, hein, vous faites du court et du concentré, d'accord? La porte, on voudrait pour les ciseaux. La porte. Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous. Déposez les gâteaux à l'accueil. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Oh non mais attendez, c'est quand même nos impôts qui sont... Ici c'est chez nous. Non mais ils continuent. Non, mais on va pas se laisser faire hein. Non mais c'est... Allez, on va l'inaugurer cette maison. Ah bon, oui. Ah bah, on va y aller. Oh j'ai mon temps pour dire. Tirez pas! Tirez, c'est mon local! Je tiens à dire à toute ma famille que je vais bien. Nous n'avons pas été maltraités. On nous a donné à boire et à manger. Tout le personnel est serein et calme. Au nom du personnel, merci. On n'a pas choisi d'être vieux. Par contre, on a choisi de vous interdire notre lieu de vie. C'est bien. On décide de vous laisser dehors. On décide et ça nous fait du bien. Aujourd'hui, vous êtes ici pour inaugurer cet établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes. Eh bien, faites-le, mais sans nous, nous réclamons notre autonomie. Nous exigeons d'être à la table de négociation avec celui qui est là-haut, pour discuter des conditions de notre vie future. Faites-lui part de nos revendications. Vieillir, d'accord, mais comme on veut. Ah non, mais on va pas se laisser faire. S'ils sont vieux. Non mais, ils ont des otages, pensez-y. Ça pourrait être votre frère, votre sœur. L'otage là, hein? Vous savez ce qu'il a mangé depuis 2 heures? Ils lui ont fait avaler 2,5 kg de choux de Bruxelles. Oh. Il en peut plus. Alors un peu de silence, un peu de respect. Chut. Alors ce qu'on va faire, surtout vous me suivez, parce qu'il y a des mines, il y a des pieds jaloux. Oh nom de Dieu. Ça, ils y vont, allez-y, faites comme si je n'avais rien dit. Alors, je veux bien que vous avanciez, mais surtout, dans le calme. J'ai réussi à vous faire rentrer, soyez dans le calme. La résidence Michel Grandpierre est inaugurée.
cet établissement est aujourd'hui à l'image de ce que voulait Michel Grandpierre. Ce qui se fait de mieux doit se faire de mieux pour les Stéphanais. Et que cette résidence porte son nom, porte le nom de l'élu qui, par son humanisme, a fait en sorte que Saint-Étienne-du-Rouvray soit toujours une ville...